donc déclaré vainqueur de ce combat et proclamé nouveau champion de l'Union européenne des super welter. Dylan. Salut les disciples de la boxe. Donc après ces quelques images que vous avez pu voir de la soirée, bien sûr je ne peux pas vous montrer beaucoup d'images des combats car elles sont rediffusées sur RMC Sport. Donc je vous invite à suivre les prochains combats sur cette chaîne. Ils vont encore avoir des combats très intéressants ce mois de juillet. Donc je n'hésiterai pas à vous partager tout ça sur mes différents réseaux. Mais revenons sur cette soirée. Pour commencer, je remercie Brahim Asloum. Je remercie toute l'équipe d'organisation Asloum Event qui font un gros boulot. Et je remercie donc Brahim qui me permet d'assister à des galas comme ça, qui me permet aussi de me rapprocher du monde de la boxe. Aujourd'hui, j'ai un statut un peu particulier et je commence à créer des affinités avec certains boxeurs, avec certaines teams. Et c'est vrai que c'est délicat parce qu'on va faire des critiques et on va essayer de rester objectif. Même si on a toujours une petite part de subjectivité, c'est normal. Le sport est un spectacle. Et qui dit spectacle dit forcément des préférences pour un tel ou un tel au niveau de son style, au niveau de son charisme sur le ring. Mais bon, ça voilà, on en a déjà parlé, mais l'idée c'est quand même de faire des critiques où on reste objectif. Donc voilà, je remercie en tout cas chaque boxeur qui m'ont toujours fait un très très bon accueil. Et voilà, et chaque personne qui travaille dans le monde du sport. Je remercie aussi les abonnés que j'ai pu croiser, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. On va revenir du coup sur cette soirée qui était franchement au niveau de ce qu'on attendait, même peut-être un petit peu plus. J'ai préféré les opposants qu'on a eu pour les stars d'Asloum Event. Hein. On sait que Asloum, dans son écurie, il a des noms qu'il veut emmener vers le plus haut niveau. Et donc pour ça, il a des étapes à franchir. Voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde est au courant et c'est normal. Hein. C'est comme ça qu'on marche quand on a une écurie de boxeurs. Et là, pour le coup, je trouve que dans cette soirée-là, on a eu des oppositions qui étaient intéressantes pour justement faire évoluer les boxeurs vers le très haut niveau mondial. Parce que, vous savez, j'en parle souvent sur ma chaîne, que des fois, les boxeurs français, on a l'impression qu'ils sont jetés un peu dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'ils sautent trop de marches d'un coup. Et c'est parce que c'est dû aux structures, c'est dû aux différentes propositions qu'ils ont. Et des fois, c'est soit trop tôt, soit trop tard, soit ils ne sont pas bien préparés pour ça. Et pour le coup, ce que fait donc Asloum Event par rapport à cette équipe de promotion, c'est quand même assez bien mené. Et après, bon, on le dit aussi, hein, il ne faut pas que ça soit non plus trop protégé. Voilà, c'est un peu le juste milieu. Bon, de toute façon, il y aura toujours des personnes mécontentes. Hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette soirée-là, donc je vous le redis, super combat. Déjà, on va parler des 4 premiers combats qui ont eu lieu en première partie de soirée, donc avant la prise d'antenne et avant qu'on ait les combats avec des titres, mais on reviendra aussi sur ça. Donc les 4 premiers combats qui ont vraiment bien tenu leur rôle de chauffeur de public, en fait. Souvent, ces combats-là, c'est un peu des combats de sous-carte. Alors, parfois, il y a des déséquilibres. Des fois, le niveau n'est pas forcément super intéressant. Mais là, pour le coup, on a eu des combats plutôt équilibrés. Il y a eu de l'engagement. Et je pense que le public qui était présent ce soir-là a apprécié ça. D'ailleurs, c'était un public que j'ai trouvé assez connaisseur de boxe. J'ai ressenti, donc voilà, c'est un ressenti général, mais un public qui était venu pour la boxe, voilà, qui est pas venu pour un nom, comme j'ai pu le dire sur la réaction par rapport à Tony Yoka, mais venu pour assister à des combats de boxe. Ça permettait d'avoir une ambiance un petit peu différente en termes d'atmosphère, en termes de réactivité du public par rapport à ce qui se passait sur le ring. Alors voilà, il n'y avait pas une ambiance folle à comme peuvent faire les Anglais, mais on sentait un public qui vibrait avec ce qui se passait sur le ring. Je voudrais revenir sur le combat entre Wary Bessa et Clément Openo. Donc Clément Openo a été appelé la veille du combat, donc le remplacement de dernière minute, car le boxeur qui devait affronter Wary, donc pour le combat revanche, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant, a loupé son avion. Donc voilà, branle-bas de combat, il fallait trouver un adversaire pour le remplacer. Donc il fallait trouver un lourd léger prêt à monter sur le ring. Si je ne me trompe pas, c'est un Marseillais, celui qui est monté sur le ring. Il est arrivé dans la nuit, il était au poids, il pouvait faire le combat, il était prêt.
Et il a fait un super combat. Il a fait un super combat. Alors, je pense que Wari est passé un peu à côté de son combat. Est-ce que ça l'a perturbé, le fait que ben voilà, il y a eu ce changement d'adversaire? En tout cas, il faut reconnaître que Clément a fait le combat qu'il devait faire. Il a bien géré la première partie de combat où il fallait qu'il gère les attaques puissantes de Wari. Et ensuite, il a pris le dessus, il a réussi à toucher. Et là, encore une fois, il a bien contrôlé une fois qu'il avait touché. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait une super gestion des rounds. Et donc, il a touché une première fois, le round s'est terminé. Ils ont réattaqué pour le quatrième round. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il tombe. C'était un 6 rounds. Je me rappelle pas exactement, hein, parce que bon, je courais un peu partout. Vous savez, quand je suis là pour filmer, que j'ai accès au vestiaire, je cours un peu partout, donc je peux pas vraiment regarder les combats de manière posée. Mais voilà, celui-là, j'ai quand même pris le temps de plus le regarder. Et donc c'est un arrêt de l'arbitre. Donc Warren ne tombe pas, il met même pas un genou au sol. Enfin, si, il a mis un genou au sol, mais avant. Il finit donc arrêté par l'arbitre, mais il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Clément, son adversaire d'un soir, a fait un très beau combat. Et c'est un boxeur que je vais essayer de recontacter parce que je suis allé voir un petit peu son palmarès. Et il a un palmarès intéressant et je pense qu'il aurait des choses pas mal à vous raconter face caméra. Ceci étant dit, bon bah force à Wari, j'espère qu'il reviendra vite. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai un statut un peu particulier aujourd'hui et c'est vrai que on s'attache à certains boxeurs, il y a certains boxeurs avec qui j'ai un peu plus d'affinité, notamment Wari, mais ça ne m'empêche pas voilà, d'essayer de faire des critiques le plus objectives possible de leur combat. On va passer maintenant au combat télévisé. Et là, je vais dire ma critique un peu négative, mon point négatif de cette soirée. On avait des titres en jeu dans cette soirée. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc des titres intercontinentaux, un titre européen, mais pas le titre européen EBU, et un titre de champion du monde, et notamment de championne, car c'était Maïva. Alors, je me mets à la place du public, du grand public. Voilà. Donc, quand il entend qu'il y a des titres comme ça, avec des ceintures en jeu, et qu'il voit donc à chaque combat les hymnes nationaux, la ceinture, donc le champion qui a sa ceinture, qui vient la défendre. En plus, les ceintures sont visuellement exactement comme une ceinture de champion du monde. Voilà, peut-être qu'il y a des détails, mais en tout cas, quand tu regardes comme ça au premier coup d'œil, il n'y a pas beaucoup de différence entre la ceinture WBA et ses ceintures intercontinentales. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu trompeur, c'est un peu faussé, car on a vraiment l'impression d'assister un championnat du monde, un boxeur qui remet son titre en jeu et qui le défend. Alors, je peux entendre l'argument qui est vrai que ces titres-là permettront de monter dans les classements pour atteindre un championnat du monde. De toute façon, l'écurie Asloum ne s'est jamais caché qu'il voulait atteindre un championnat. Que ça fait aussi vendre des tickets, hein. Quand tu dis un championnat du monde, alors quand tu dis quatre titres en jeu, forcément l'affiche est plus intéressante, elle est plus alléchante et on a besoin de faire venir le public. Et en même temps, moi je regrette que bah, du coup ce soit un peu trompeur. Et je voudrais pas qu'on tombe dans le truc de bah attends, on défend nos ceintures intercontinentales, on défend le titre BU et qu'on le remette en jeu à chaque fois et qu'on tombe dans ce mécanisme-là. Voilà. Donc si c'est des étapes pour faire grimper vers un titre mondial, c'est super. Voilà, moi ce que je reproche aujourd'hui à ce système des ceintures, c'est qu'il y a beaucoup trop de ceintures en jeu. Il y a beaucoup trop de ceintures. On s'y perd. Voilà. Il y a déjà quatre titres mondiaux. Il y a un titre de champion d'Europe, un titre de champion de France. Voilà. Il faut qu'on s'en tienne à ça. Donc qu'elles soient présentes, qu'elles soient mises en jeu, ok, mais pas les survendre. Voilà. C'est mon petit point négatif sur cette soirée. Voilà. Je tiens à le dire comme je le ressens. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'à ce jeu-là, on risque de perdre et de confondre le public. Voilà. On risque de confondre le public. Et on risque aussi de tomber un peu dans la facilité, de se dire, bon ben j'ai un titre, on va le remettre un jour, on va défendre ce titre. Et on va s'en contenter. S'en contenter. Voilà. Et la boxe, ça ne fonctionne pas comme ça. L'important, c'est d'avoir des noms à son palmarès et des beaux combats. Si c'est pas un nom, il faut au moins un combat avec un combat qui pète le feu et qui permet de grimper après dans les classements. C'est ça. L'esprit de la boxe, il est là et il faut qu'on garde cet esprit-là. C'est vraiment ça, c'est primordial. Et pas qu'on rentre dans cette surenchère de ceinture. Mais cette année, c'était n'importe quoi, notamment avec Canelo et la WBC. On peut voir ce qui se passe à l'international et je pense qu'on est un peu dans la dérive là.
et il faut vraiment qu'on arrête avec ça. C'est très très important. Ou en tout cas qu'on remette à sa juste valeur le titre mondial qui là était le titre IBF de Maïva Amadouche et qui n'était pas le titre phare de la soirée. Et ça aussi c'était un peu bizarre comment c'était fait. Qu'on ait Maïva en premier alors qu'elle a le titre de championne du monde. Le titre, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on a deux champions du monde, Maïva et Nordine Oubali. Donc voilà, et qu'elle n'était pas ben, du coup tête d'affiche. Après, je pourrais entendre qu'on mettait Mathieu Boderlic en tête d'affiche, parce qu'en termes d'enjeu, en termes de niveau, en termes d'affiche, c'était le main event de la soirée. Donc voilà, moi j'aurais plutôt mis dans cet ordre-là Dylan Chara d'abord, ensuite Yvan Mendy, ensuite Maïva et ensuite Boderlic. J'aurais plutôt mis dans cet ordre-là. Bon, ils n'ont pas fait comme ça. Je pense que la ville, ça les arrangeait de mettre Dylan à la fin parce que comme c'était l'enfant du pays et pour que les gens, ça soit un peu la fête et qu'ils finissent avec Dylan Chara. Et pour le coup, ça a très bien marché parce que le public était en folie pour Dylan Chara. Donc pour le coup, on ne peut pas vraiment leur reprocher d'avoir fait ça parce que ça a très bien marché dans la salle, quoi. Dans la salle, on était, c'était le main event pour la salle, pour les gens de la salle, c'était ce combat-là. Donc disons que dans un cadre local, ça s'explique. Bon. Je vais pas passer la vidéo sur ça parce qu'on va parler un peu des combats qui sont des très beaux combats comme je disais en début de vidéo. Je suis très content des oppositions qu'on a eues sur le ring. Alors commençons par Maïva qui a surclassé son adversaire, qui a été un peu différente dans sa boxe, un peu, ça reste du Maïva, c'est-à-dire qu'elle avance, elle fait un pressing très très important et elle étouffe son adversaire de coups avec un très très fort débit. On connaît la boxe de Maïva, mais pour le coup, j'ai trouvé qu'elle avait une gestion de la distance un peu différente. Elle n'a pas vraiment fait, elle a pas vraiment collé absolument comme elle cherche à le faire en général, quitte à absolument tomber sur ses coups pour mettre le plus d'impact possible, ce qui est très efficace parce que jusque-là, aucune fille n'a tenu face à cette boxe de Maïva. Mais là, elle était un peu plus dans une gestion de la distance, notamment ses crochets qui passaient super bien. Elle était vraiment à la bonne distance pour les faire. Ils étaient très efficaces. Et donc, les enchaînements de coups étaient beaucoup plus fluides, j'ai trouvé. Voilà, plus précis, plus fluide. Le fait d'être moins brouillonne pour chercher de l'impact, et ben du coup, il y avait une meilleure fluidité. Et à la voir, du coup, en étant dans la salle, je trouvais qu'elle avait bien progressé. Et je me demande si elle ne cherche pas aussi à plus convaincre les juges avec cette idée en tête d'aller chercher les juges dans la boxe amateur qu'il faudra forcément convaincre. En boxe amateur, c'est beaucoup plus court les combats et il faut très vite convaincre les juges parce que ça va rarement au chaos. Ça va être très difficile qu'elle finisse les combats avant la limite. Donc, il va falloir qu'elle modifie un peu sa boxe pour avoir plus d'impact sur les juges, pour remporter les combats au point. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi, dans le combat de ce soir-là, cette idée-là derrière? Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, je le regrette. J'aurais bien aimé lui poser la question de vive voix, mais je me suis posé cette question en tout cas. On passe au prochain combat, du coup, qui était le combat de Yvan Mendy, pour moi, c'était le combat le plus intéressant de la soirée. C'était l'opposition la plus intéressante et c'était... Alors peut-être pas l'opposition la plus intéressante parce qu'on va parler de Mathieu Boderlic, mais c'était le niveau boxe le plus intéressant. Son adversaire mexicain, j'avais un petit peu l'impression qu'il serait pas mal, qu'il serait au rendez-vous, et il a été complètement au rendez-vous. Là, il n'était pas venu juste pour faire bonne figure sur le ring. Il cognait quand même, franchement, c'était un adversaire qui avait du punch. Et Mendy a eu du mal un petit peu à le gérer, mais il fait un super combat. Il n'y a rien à dire, il fait un super combat, il fait un très très bon début de combat. Il peine un peu plus à la mi-combat, mais voilà, avec le métier, c'est un marathonien, Mendy. Il a cette capacité à donner de sa personne au fil des rounds, et forcément ça paye. Autant de Mexicains avaient plus des accélérations, puis ralentissaient, et il gérait un peu plus comme ça. Autant Mendy, ça avance tout le temps, c'est pressing tout le temps. Alors quand il était un peu épuisé, on sentait qu'il travaillait sur des combinaisons plus courtes. Parfois il travaillait seulement sur un coup, voilà, qui mettait assez bien. Il arrivait à toucher en général quand il passait à ce mode là mais son mode général c'est plutôt des séries un peu plus longues et avancer, rouleau compresseur et une très grosse défense, c'est à dire être très compact, prendre très peu de coups. Voilà, la différence de Maïva qui avance mais qui prend le risque de prendre des coups, lui c'est prendre un minimum de coups et être juste dans ses remises. Voilà, c'est vraiment ça sa boxe, et il l'a très bien fait.
Et c'était bien d'être face à un adversaire comme ça. C'est important pour la suite d'avoir ce genre d'adversaire qui permette de travailler. Voilà, c'est vraiment un adversaire qui permet de travailler. C'est pas seulement on va le surclasser ou voilà, mais on travaille aussi. Ensuite, on passe à Matteo Bodegraric. Donc, pour moi, c'était voilà, l'affiche de la soirée. On savait que Dodon Gumbo, il allait être difficile à boxer. Je ne pensais pas qu'il allait faire cette boxe-là. C'est-à-dire qu'il a été vicieux. Voilà, Matteo Bodegraric a utilisé ce mot-là en fin de combat et ça a fait un petit esclandre. Ce qui était un peu ridicule parce que, avec le combat qu'il a fait, il ne pouvait pas vraiment se plaindre de ça, en fait, de cette remarque-là. Surtout face à Mathieu, qui est pas un bonhomme qui est mauvais, qui n'y a pas de mauvaise intention derrière ce qu'il dit. Il était très respectueux, peut-être même un peu trop. Enfin, est-ce qu'on peut être trop respectueux? Non, il faut être respectueux, c'est super important. Mais moi, voilà, quand je fais mes vidéos, je n'oublie pas le respect que je dois à toute personne que je critique, hein. Mais il est un peu trop bon garçon. Voilà, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va dans le sens d'un adversaire comme Doudou Ngoumbou. Je tiens quand même à préciser que Mathieu Bodegraric aurait pu être sanctionné par l'arbitre pour des coups derrière la tête pendant les accrochages, alors même si ça prouvait son agacement, il a fait des coups à répétition derrière le crâne de son adversaire. Bon, même si ça allait dans les deux sens, l'arbitre aurait dû intervenir pour sanctionner ou au moins faire un rappel aux deux boxeurs. Je précise ça car c'est un coup qui peut être très dangereux et qui peut laisser des lourdes séquelles. Donc voilà, il y a eu du vice des deux côtés, je tiens à le signaler. Qui est pénible à boxer et qui va être pénible aussi dans son attitude. Parce que concrètement, c'est ce qu'il a été, hein. Voilà, je dis pas ça pour chercher la polémique, mais avec le combat qu'il fait, où vraiment il a beaucoup accroché. Bon, il est face à Mathieu Bodarli, qui est un garçon dur, qui est un garçon qui cogne, donc il fait aussi le meilleur combat qu'il peut. Mais derrière, d'aller un petit peu comme ça au clash, ça sert à personne. Ça sert à personne. Voilà. Donc ça valait pas la peine de réagir comme ça, surtout face à Mathieu Bodegraric. Bon, pour parler un peu du combat, parce qu'on parle un petit peu autour du combat, mais parlons un peu du combat. Finalement, c'est pas plus mal d'avoir eu ce profil-là, d'un profil un peu chiant à boxer, un profil qui vient te chercher au terme psychologique, qui vient vraiment te pousser dans tes retranchements, te pousse à l'erreur. C'est pas mal de voir Bodegraric face à un adversaire comme ça, parce que Bodegraric, là, il va rapidement atteindre le top 20, tu vois, donc le haut du panier. Et les champions actuels sont des champions qui vont être très très durs à aller chercher. Et donc psychologiquement, il va falloir qu'ils soient préparés à ça. Mathieu Bodegraric, qui fait une super ascension depuis les JO. Voilà, il a une super carrière avec grâce à Brahim Asloum. Et il faudrait pas faire l'erreur d'un peu trop calibrer la carrière, d'être un petit peu trop calibré. Et quand on arrive face à une grosse grosse échéance, et ben être un petit peu perdu face à ça. Et du coup, un adversaire comme Doudou Ngoumbou, comme il l'a bien dit, c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau. C'est un gars qui est expérimenté. Expérimenté, ça veut dire qu'il connaît les vices du métier. Et les vices, il en faut. Les vices, il en faut dans la boxe. C'est pas, on dit pas ça pour dire, ben voilà, il est vicieux, donc c'est un mauvais. Il y a des boxeurs qui ont fait leur carrière sur le vice. Bernard Hopkins, voilà. Pardon pour ceux qui l'adorent, mais Bernard Hopkins, c'était le maître du vice, quoi, vraiment. Et donc le vice, il en faut. Et Mathieu Bodegraric, il faut qu'il soit face à des boxeurs comme ça qui ont le métier. Voilà, disons qui ont le métier pour être un peu moins. Peut-être que le vice, ça va blesser certains, mais moi, je trouve que c'est le mot qui approprié. Et voilà, des boxeurs comme ça de métier, d'expérience, qui vont te pousser à faire des fautes. Et ben du coup, ça te permet de toi de pas tomber dans ce piège-là et de travailler. Donc c'est peut-être pas un combat où tu vas pouvoir bien travailler au moment où il a lieu, comme un Ivan Mendy par exemple. Là, Mathieu Bodegraric, il n'a pas pu vraiment travailler sa boxe, mais c'est un combat qui va quand même te faire progresser. Il faut des combats comme ça dans une carrière pour que derrière on tombe pas. Vous voyez, dans les combats suivants, qu'on ne tombe pas dans le jeu des prochains adversaires qui pourraient jouer à ça. Donc c'est important, ça va permettre à Mathieu de se poser, de méditer sur ce combat-là pour encore progresser. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est bien mené. Et moi, je pense que maintenant, il faudrait un petit nom.
Je réfléchissais dans la journée, j'ai pensé à Jean Pascal, ou un mec un peu du calibre comme ça de Jean Pascal. Je trouve que voilà, un boxeur qui a lui aussi côtoyé les meilleurs, qui a été champion, qui est encore en activité. Ça pourrait faire une belle opposition sur le ring. Attention, boxeur dangereux. Boxeur dangereux, on a vu ce qu'il a fait face à Bivol. Il a été surclassé, mais il est resté très courageux jusqu'au bout. Ça pourrait être encore une super étape pour Bodérliq. Et pour le coup, ça serait une belle affiche. Je pense qu'on voudrait tous voir ça en France. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu Jean-Pascal, mais je sais qu'on est beaucoup à parler boxe et on a suivi quand même Jean-Pascal. Et puis, c'est une figure de référence. C'est une figure de référence avec du coup les adversaires qu'il a affrontés. Les prochains combats de Bodérliq vont être vraiment à surveiller. Vraiment. Parce que je pense que ça va aller très vite là, vers une chance mondiale. Ça peut aller très vite vers une chance mondiale. Mais en tout cas, les prochains combats vont avoir un gros enjeu. Et on finit du coup avec Dylan Chara. Dylan Chara qui, franchement, a pris sa revanche de la plus belle des manières. On sait que Chara et Cospolite, alors Cospolite, je connaissais un peu moins, mais que c'est pas des punchers. Voilà, on l'a senti dès les premiers rounds, même si voilà, vous découvrez ces combattants dans ce combat-là, dès les premiers rounds, on peut voir que ce n'est pas des cogneurs, ce n'est pas des punchers. On va être plus face à des techniciens, des stylistes, notamment pour Dylan Chara. Et Dylan Chara, il a vraiment pris une belle revanche parce qu'il a nettement dominé son adversaire, il a proposé une très belle boxe. Ce soir, il était merveilleux à voir boxer. Alors, il était devant son public, il a fait le show. Alors, il a fait le show, mais bien, c'est-à-dire en termes de boxe. Il n'a pas fait le show où il s'adressait au public, il levait la main et tout. Non, non, non. Il n'en a pas fait trop pour le public. Voilà, en ce moment, c'est bien à la mode, ça, les boxeurs qui regardent sur le côté, qui font des dingueries, qui ne servent absolument à rien. Voilà. Ça, sur le ring, ça sert absolument à rien. Tu fais ça pour la photo, pour faire peut-être un peu chier ton adversaire, mais ça ne sert pas absolument à rien. Non, ce qu'il a fait, c'est il a fait le show, mais avec la manière. Voilà, c'était vraiment sur le ring. Alors, peut-être petit regret qu'en fin de combat, il a été plus du coup dans la distance, dans la maîtrise, parce qu'il savait qu'il avait largement assez de points d'avance. Donc, il risquait pas, il voulait pas prendre le risque de se faire un contrer ou voilà, d'avoir un coup dur. Mais du coup, ça a un peu enlevé au spectacle parce qu'il faisait tellement un beau combat que moi, j'aurais aimé le voir bah, jusqu'au bout, continuer son. Bah, voilà, avec panache, quoi. Aller vraiment la victoire avec panache jusqu'au bout. C'est mon petit regret sur ce combat-là. Cospolite, bon bah il est tombé face à un adversaire plus fort que lui ce soir-là. Il n'y a rien à dire. Il a pas réussi à rentrer dans la boxe de Dylan Chara. C'était difficile en même temps. Ça arrive. Voilà, on pourrait avoir un troisième combat entre les deux, hein. Franchement, on pourrait largement avoir un troisième combat entre les deux. Moi, je paierais pour voir ça. Carrément. Pour le coup, je paierais pour voir ça. Donc. Bon bah voilà, on en reste là. Je tiens à dire que c'était une belle soirée. C'était une belle soirée, c'était un beau lieu. Voilà, c'est un lieu où il n'y a pas que de la boxe. Donc on voit bien que c'est pas un lieu qui est forcément fait pour la boxe. Hein. Mais c'est un lieu super agréable. Ça sentait la boxe, on sentait dans le public que les gens aimaient ça, ils étaient là pour ça. Donc ça aussi c'était bon. Je pensais pas que c'était une ville qui était autant boxe. Et c'est vrai que finalement je suis allé voir. Un peu dans l'historique. Et c'est vrai qu'en fait, elle a accueilli des grands combats, et notamment Brahim Asloum. Donc, c'était pas illogique qu'il y ait un esprit boxe dans cette ville. Chaque année, ils font un gala. Mais tu sais, le Sud, je me disais toujours que c'est un peu pour les touristes. C'est un peu ce que j'ai ressenti à Antibes, tu vois. Donc, ça m'a un peu conforté dans mon idée. Mais pour le coup, au Cannes, c'est pas le cas. C'est un peu la réunion de la boxe du coin. Voilà. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Ceux qui sont du coin, bah, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez pensé de cette soirée-là. Je vous dis à la prochaine. Énorme week-end de boxe encore. On a à Marseille, on a des combats en Angleterre et on a Las Vegas avec un très gros combat. Donc je vous retrouve bah, dimanche matin où on va débriefer tout ça. Voilà, ça va être peut-être une vidéo un peu longue, donc elle sortira, je pense, en début d'après-midi. Voilà, le temps que je vous la mette en ligne. Je vous dis à dimanche, du coup, fighting!